se retrouve pour un nouvel épisode sur... deux petites secondes. Dur le son du casque parce que je tiens mes oreilles. Voir je peux réduire encore. Parfait là. Donc Yu-Gi-Oh! Jinx, Legacy of the Duelist, Lavi, machin. J'arrive à suivre après. Quand il commence à y avoir un sous-titre au sous-titre d'un jeu, c'est le moment où moi je commence à réfléchir. Donc, on avait fait avec un ami de la campagne de Yu-Gi-Oh! Thierry qui était à 3,1%. 31%, littéralement, j'ai fait 10 fois plus. Alors peut-être qu'on fera 5D. Par contre, il est fort probable que je fasse Zexal, Arc V ou V. Alors là, moi les trois derniers là, c'est pas vraiment clairement. Donc, on avait Duel Stratégique. Prochain duel, je me souviens plus, c'était quoi. C'était quoi le duel entre Zen et Zen? Parce que je me souviens du duel entre Yugi et Zen, les deux. Là, les deux, c'est pas quand Sartorius est revenu, un truc comme ça, non? Genre, c'est assez vieux. C'est la saison 2, non? Dans la 2, c'est un bon joueur. Ah, on joue en deuxième, donc on aura une carte de plus. On va voir le bon côté. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, pas mal ça. Alors, ça c'est très pratique, ça, ce que je disais, la fusion miracle. Nous, on va commencer avec une attaque. Avec ce monstre, ce qui est chiant, c'est que dès qu'il détruira un autre monstre, il pourra s'accaparer ses points de vie. Le deck de Zero, c'est pas nul là en soi. J'aurais pu jouer le deck Silver avant, mais je crois que moi je joue toujours avec un deck Rose Bowl, c'est mon truc. Ça peut jouer, ouais. Ouais, en même temps, je vais en profiter pour utiliser les provisions de secours. Normalement, c'est les provisions de chance dans la VF de l'ennemi, mais pas la VF de l'ennemi. Alors, il y a lui que je peux invoquer en me débarrassant de lui et. Alors, j'aurais pu le garder. Et invoquer un autre monstre, après ça ferait 3 monstres. Le problème qu'il y a, c'est que j'aimerais garder celui-là. Il a une très belle défense. Il a une très bonne capacité. Je peux pas jouer ça. On va jouer Neos. Ouvrir. Nouveau Neos. Ça va faire. Grand battle. Je me suis écrasé le sol de mon armée. Ethan. Sérieux, t'es censé te faire botter le cul par ton frère. C'est c'est comme ça que fonctionne la nature, les gens. D'ailleurs, je n'ai pas compris des masses Cyrus pendant l'arc qu'il faut en vivre. J'ai pas compris ça. C'est ultra étrange. Alors, je pourrais rebattre le cap, mais j'ai plutôt l'invoquer. Ah, je peux pas changer de bon, faut que ça change. Bon, sérieux, si c'est pas que je t'aime pas. Enfin, je veux pas. Je l'ai pas compris, moi, dans la saison 2. Sérieux, c'est un personnage qui m'a pas vraiment touché ou atteint. Je dirais même d'ailleurs que dans l'arc du. L'arc du Bell, on va dire. La réaction qu'ont eu, c'est très... Il y a un truc que j'ai pas compris.
Ils ont fait énormément de. Ils ont fait énormément de. Merde. Ils ont fait énormément de blabla en mode oui, Jaden, ça fait une situation anxieuse, ça fait ceci, ça fait ça. Mais à la base, il voulait pas que vous veniez lui quand il y allait tout seul. En vrai, il aurait peut-être eu plus de chance seul qu'avec vous, quoi. Je vais essayer d'attirer son attention en même temps. Le deuxième volcaïque, il essaiera d'attaquer le monstre le plus faible pour le coup. Il va essayer de gagner du temps. Je pense que c'est un peu plus. Alors, en plus de souris, parce que même j'ai gagné. Quoi, tu as un peu quoi. Ah! T'as pris ton temps, toi! Gratte-ciel! Donc, ça, on va changer la donne. Étant donné qu'ils ont tous plus de points d'attaque que les deux, normalement, si Néo s'attaque, il passera à 2900. Ça ne change rien! Ça passe quand même à 2900. On va essayer Midori pour un peu toute l'intrigue, après c'est vraiment un peu difficile. C'est bien ce jeu parce qu'en fait faut le faire en live. Ça permet de montrer à des gens comment vous jouez. Pourquoi il est de retour pour continuer. J'en ai marre. Allez. Ah, excusez-moi deux secondes. Je disais, c'est pratique en deux parce que ça permet de montrer à des gens que comment vous joueriez. C'est pas. Ça va. Enfin voilà, au moins vous savez genre comment quelqu'un joue. Moi par je joue comme ça. Je préfère jouer comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a mon chat qui essaie de rentrer. J'ai l'impression de me faire de. Je vais pas me lever à chaque fois pour que tu m'échappes. Je suis ouvert à 10 secondes pour le premier. T'as le second qui débarque et pas la chance. Bon, allez, on te voit, je suis plus calme. Mais t'as ça. Sérieux, si tu commences à me faire chier. Ah là là, putain, celui-là. Il est tenace, hein. Vous imaginez s'il avait joué comme ça pendant ses vrais duels et tout, ça aurait été génial. Aïe. Aïe. Non, c'est pas vrai. On va refaire. C'est intéressant, je trouve que en jeu, c'est un peu étrange, mais en fait, en jeu, Cyrus est plus doué que dans le manga et l'animé. C'est-à-dire que vraiment, là, j'ai cru, il dit que ça porte de certaines choses. C'est la première... D'habitude, moi j'essaie de jouer en premier dans les vidéos, à chaque fois. Là, on va voir si ça me fait chier. Pas grand chose. Parfait. C'est vrai que ça me manquait un peu. Donc, il a fait ça pour les gens. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pas. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette merde. Non, par contre, je vais faire un truc. Je vais faire plus de prisonniers. Mais je détruirai après. En fait, juste après, je vais détruire justement la patate. Comme ça, il est fini. Si je vais taper à, je la fais à la vidéo GX animée, donc un bon poids. Pas mal mine de rien de droite celui-là, un peu de classe. Activer l'effet d'une carte. Oui, là oui tu peux. Je récupère 8 points. Et toi, tu pourras pas faire de fusion parce que c'est dangereux avec toi.
comme pour Yuki. C'est ça en fait qui fait que les gens ils n'ont pas compris. C'est qu'en fait, Yuki OGX, globalement, c'est bien. Le truc qu'il y a, c'est que eux, ils ont voulu miser sur les faire fusion. C'est vraiment la fusion. Là où dans Yu-Gi-Oh! C'est pas si important que ça, quoi. Bon, ok, Kaiba, vous voyez son espèce de dragon, hein, en gros, dragon blanc, yeux bleus, de tête, ou ultime dragon blanc, yeux bleus. Globalement, c'est un peu tout. Là, il y a peut-être une fusion entre Gaïa et une sorte d'espèce de dragon, là, mais globalement. Comparé à Yu-Gi-Oh! GX, j'ai jamais eu autant de fusion, justement, que dans Yu-Gi-Oh! GX. Hein. Pour l'instant, mon monstre, c'est ça. J'aurais pu retourner l'autre en mode attaque, mais le problème, c'est que je n'ai pas. Voilà, c'est bon. C'était que cet enculé puisse fusionner deux monstres pour obtenir. Attendez, what? Peut attaquer. Comment? Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi deux deux. What? Non, mais passez, c'est des express roïdes. Ça, ça aurait été pratique pour récupérer des monstres, justement. Et après, tu fais la fusion. Mais comment cette merde peut apparaître avec ça? Un monstre de type machine du même nom. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, grosso modo, c'est une sorte de message caché sur l'écologie. Prenez pas le train, prenez le vélo. Je sais pas. Puis, arrêtez de quoi tu vas apparaître. Parce que j'ai un besoin de mon moteur pour me débarrasser de la carte qui est cachée là-bas. Que je ne sens pas depuis tout à l'heure. Bon. On va se débarrasser de ça. Je sens que pas. Allez, vas-y. Je vais me prendre en main. Je me ferai pas couillonner deux fois. 300 gratte-ciel, tiens. Il n'y a pas de carte de terrain en plus. C'est bizarre parce qu'il existe des cartes de terrain pour les monstres les machines. Les monstres. Ok. Oui, tu peux récupérer deux monstres notamment. Justement, j'avais besoin du compteur. C'est pour ça que j'avais essayé de me cacher en vrai. Je m'attendais à ce qu'il se passe attaquer. C'est dommage, il n'y a pas de. C'est quand même un jeu à 50 balles, un truc comme ça. Et il n'y a pas. Il n'y a pas. De personnages en 3D qui apparaissent. Les créatures apparaissent pas. C'est quand même fou parce qu'il y avait des jeux sur DS qui le faisaient. Et. Ta sœur, j'en ai marre de ces cartes. C'est pour ça que j'aime pas ces cartes cachées. C'est pour ça que je voulais le casque du corps de PM. Parce qu'il était le plus à même de m'aider dans ce genre de situation. Maintenant, il a le Cowboy, donc il va l'inventer. Voilà, il va attaquer Sparkman. Moi, après, je vais l'attaquer. Mais lui, il aura posé une carte de PM avant la fin de ce tour. Donc, du coup, je m'en prends plein la gueule. Même pas. Sparkman! Je sais pas qui gagne si j'avais le roi du marais là. Le roi des marais. Je pourrais avec elle de France en descente déjà. Adios! 2500 direct dans la pomme. Allez, guys. Et encore, t'as de la chance. Ça aurait été zen, ça aurait été encore plus rapide. Mais je vais tenir que lui, il s'y perdra le mois de. Il s'y perdra le mois de tête. Oui, tu m'as retiré 1500. Maintenant, j'applique l'appel du héros. Tu vas permettre d'invoquer un monstre à relever sur le terrain. Si le monstre à relever le monde, c'est pratique. Parce que la vie. Ouais, on est. On est. Allez. Dégage. Enfin, ramène-toi. Enfin, la tête est bien. Elmano, d'ailleurs, qui n'est pas dans le. C'est très bizarre. Il n'est pas du tout dans les. Dans les cartes c'est grosso modo c'est l'âme d'Améant, c'est un peu l'équivalent, c'est l'âme d'Améant. Par contre, est revenu, mais franchement ça valait du coup de revenir. Pas très grave.
Voilà, donc c'est pendant la saison 2, vous étiez. Normalement, tu as terminé, tu cherches à faire partie de c'est là où je commence un peu à... Deux monstres héros, c'est un monstre autant haut. Ce qui est bien, c'est que c'est là où tu sens en fait que Yu-Gi-Oh! GX est vraiment ancré dans l'esprit des gens et que c'est vraiment devenu un pilier, l'un des piliers principaux de l'univers Yu-Gi-Oh! C'est que maintenant, c'est littéralement le mot héros. Tout est rattaché à héros, que ce soit héros de la destinée, héros des éléments, héros vision, héros masqué, tous pareil. Ah, Océan, lui, est pratique. Neos de la Nébus, oui. Alors, Océan, il y a une capacité assez sympa si vous allez jouer. Quand vous êtes sur le terrain, lorsque vous commencerez votre tour, ah là, bon, il faut au moins. Bam, l'illumination. C'est pas parti en couille, Yu-Gi-Oh! On devait pas combattre la lumière, justement. Quand vous. Voilà. Vous pouvez récupérer un monstre qui est sur votre terrain, votre cimetière, et le ramener à votre main. Par exemple, si vous avez un monstre. Qui vous est nécessaire pour une fusion, ça peut servir effectivement. Ça peut servir. Je pense que je récupérerai d'autres cartes, d'autres jeux. Pour l'instant, ça va. Là. Ça peut servir, j'allais dire un truc. Si vous manque un monstre matériel de fusion, ou s'il vous faut consolider votre défense, c'est assez pratique, ou même attaquer. Alors en réalité c'était pas ici. Alors il faut que je fasse un gros résumé. Il y a fort longtemps, il existait deux camps, le camp de la lumière et le camp des ombres. Le camp des ombres mené par l'ultime souverain, the Supreme King, puis enfin le roi suprême, on va dire l'ultime souverain, le monarque, ce que vous voulez. Bon bref, qui a combattu les envoyés de la lumière et qui les a vaincus. Et l'un c'est de la lumière destructrice. Donc ce qui s'est passé après, c'est que cette lumière, elle a quand même continué à exister. Et Sartorius a été victime de cette lumière. Il a fini illuminé avec l'idée de... Bah en fait, c'est une sorte de communisme magique, en fait. Alors j'ai un ami qui m'a dit, les sectes, c'est un sujet très sensible au Japon. Ok, d'accord, mais moi, quand je vois ça, je vois du communisme. Tout le monde doit s'habiller de la même façon, tout le monde doit penser de la même façon, la pensée unique. Alors c'est un truc de sec, mais nous on l'a beaucoup plus, mais vraiment plus vécu avec le communisme. Alors maintenant avec l'islamisme extrémiste, hein, il y a de ça maintenant. Mais avant c'était le communisme, chacun son tour, d'accord, hein, les cocos et après les tarés qui ont rien compris à la religion. Dans un sens, c'est aussi un côté religieux, hein, chez Sartorius, c'était des fidèles qui le vénèrent, qui l'idolâtrent, etc. Oui, on a compris. Je vais le truc, tu me rendais, c'est très bien. Voilà, grosso modo, Aster va vouloir affronter Sartorius pour le sauver, ça marche pas, etc. Ah coucou. Donc je disais, oui, ce qui incarne un peu Sartorius dans une biologie, c'est pour nous, ça nous parle plus comme chose du communisme. Quand je dis pour nous, hein, pas ceux qui ont 10 ans, mais genre ceux qui ont à peu près 20 ans, ça nous parle vachement, surtout quand on étudie ça à l'université, qu'on voit un peu comment fonctionnait le communisme, et à quel point c'était vraiment essentiel d'avoir une pensée unique. C'était ça à l'époque, hein. Ça marchait. Ah! Ah, ok, d'accord. Alors, je vais peut-être plus écrire, je vais voir peut-être. Sorry, one minute. Au
pas de bêtises, reposer. Start to rest. Voilà, 10 minutes. Je suis tellement rouillé dans les anglais. Saga of Yu-Gi-Oh! C'est. Il faut que j'arrête de parler en gros. Alors, c'est quoi ça? Un mot? Quoi? Quoi? Ah, un comté! C'était vite. Ah! Alors, du coup. Just the cars. And it's really a shame. Ouais. J'ai révisé dans mes notes. Non, la barrière du héros, c'est quand il est attaqué, c'est pas intérêt de me mettre ça là. Ça sert à rien. Non. Non. Alors, on a le bon. Là, c'est qui juste, ça fait un peu de temps. C'est qui. Attends. Elementary Heroes, it's my favorite deck. Deck. Alors, la malveillante. Ah, que 1700, c'est pas assez, malheureusement. Si j'ai de la chance.
Après, j'aimerais bien faire une fusion. Ce qui est bien, c'est que Tiam, héros du mal. Dans un jeu, je vous conseille vraiment. L'un des rares trucs qui est dommage, c'est que Tiam, ce jeu n'a pas son atout galère, ce qui aurait pu être intéressant. On avait un peu dans les tags forts, mais pas trop, parce que dans les tags forts, là, on voit un petit perso. On a pas de tête, etc. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de monstre en 3D, il n'y a pas d'animation. Même si tu peux faire des points de vue, oublie que t'en faire aussi. Hein. Et le machin là, il y a 500 cartes en fait en 3 attaques et en 3 offres. C'est plus ou moins fini. Ah ouf. Il a un monstre, c'est obligé. Ah merde! Ouais, donc il a au moins un monstre. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai l'air très bien. Ah même pas, ils ont jappé le duel du soldat. Aster on s'en bat les reins. Directement ici. Alors du coup. Imprévisible. Par contre le duel Shad et Blair on l'a mis. Vous savez les mecs au marketing, je sais pas comment ça s'est passé. Hein. Alors du coup on va peut-être acheter d'autres types de monstres. On va même commencer par Jesse Anderson. J'espère quand même que dans tous ces trucs là, genre là par exemple, j'espère qu'il y a les cartes de Zen. Hein. Au moins. Et même celle par exemple de... Merde, comment ils s'appellent déjà ? De Crowley, parce que c'est des machines aussi. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Ah, le Pégase, pour moi. Après niveau deck composable, on a plein de trucs. Ouais. C'est pas énorme. Lui par contre. Ah ok d'accord. Donc en fait plus on va augmenter, plus ça va être cher, c'est ça. Mais moi je m'en fous, moi des cartes après. On a rien à faire. C'est calé mes soucis. Hein. Alors. Allons-y. Tout était revenu à la normale. La nouvelle Blair, en fait, elle a grandi. Elle avait des seins et des petits seins et elle faisait 1m40. Et en fait, en une année, elle a level up. Elle a gagné 20 cm et 3 tours de poitrine. J'ai pas compris. Ouais. En fait, elle était en primaire, elle arrive au collège, et à partir du collège, tu peux débarquer à l'académie. Mais t'inquiète, Blair, elle va vite l'oublier parce qu'elle va tomber amoureuse d'un petit dépressif. C'est plus facile à gérer. Mais pourquoi j'ai vu des trucs chadés ? Blair, elle s'appelle pas Chad en français. Oh non, j'ai besoin de temps. Bien.
C'est pas lequel le deck de la jeune fille amoureuse? C'est le dernier moment avec What the fuck du vieux jeu. En fait, t'as Avian, Parkman qui sont tous amoureux d'une mineure. C'est des mecs qui vont avoir 25 ans. Tombé amoureux d'une mineure de 10 ans. Et après, t'as une jeune, belle jeune femme de 20 ans qui leur présentera un mineur plus. C'est une femme tellement marrée. Tellement. C'était vraiment. Ça, c'est cool. Allez, à main, oui. Je vous en prie. Pour le coup. Comme par exemple. À lui. Ça me prend une sécurité. Ça me prend une sécurité. Bon, on va se débarrasser de tous ces machins. Ah merde, j'ai pas vu la défense. Alors on va faire mal dans la nuit. En vrai, est-ce qu'on peut être un peu littéralement là, que soit grillé. Et on peut avoir déjà été fin pour le temps, déjà un bon départ. Alors, le tour est terminé. Heureusement que j'ai une partie miroir, hein. Sinon. C'est pas con, c'était pas con, ça allait pas con. C'est pas très grave ça, c'est un détail. Machin, ta carte, c'est un détail. J'ai récupéré la polymérisation. À jouer la polymérisation. Qu'est-ce que je peux invoquer qui font ménage? Genre je crois sur le téléphone là sur le jeu gratuit de vidéo c'est pas. Alors quelle carte effectivement. Par contre ce qui m'intéresse c'est le guerrier à revenir en vie. Comment ça marche?
morceau de terre pour retirer une bannière de joueurs. Donc on va jouer la première. Et on va venir. Non, oui, on est plus. On va faire venir. Ah non. Ça existe, on dit plagier. Eh ben vous avez pris la faute. Hein? T'as pris la faute? Bon, ensuite c'est quoi? Un nouveau professeur. Ah oui, ça c'est quand il y a l'autre qui débarque. On est à combien? Là c'est quand l'autre débarque. Je suis sûr que je vais aller moi. C'est en plein genre de ça. Ensuite il y a Alex. Il s'appelle pas d'ailleurs Alex aussi dans la VO. Ensuite il y a le crocodile contre. En gros il y a le dinosaure contre les fossiles. Ok, ok. Oh, bon, on va en faire quelques-uns, peut-être 2-3, allez. Nous alors, je résume. Ils accueillent des étudiants venant de différentes académies à la Duel Academy, parce que la Duel Academy est la plus réputée et la plus prestigieuse. Parce que l'Académie du Nord, c'est des pauvres, l'Académie de l'Est et de l'Ouest, je sais pas ce qu'il y a, mais a priori, c'est pas plus prestigieux que la Duel Academy, et l'Académie du Sud, bah, je sais foutrement rien. Bref, ils en accueillent 4, à savoir Jim, Axel, l'enculé, j'ai oublié comment il s'appelle, moi j'appelle connard ou enculé, ça dépend du moment. Comment il s'appelle déjà c'est un gamin qui a été adopté par une famille pour y gâter, qui avait absolument tout ce qu'il voulait, mais un jour la famille en question a fini par avoir un bébé. Il a commencé à se rendre compte que ses parents adoptifs sont en train de s'intéresser moins à lui, et il a voulu tout faire pour prouver qu'il était quelqu'un.
Et pour ça, il a mis en danger des centaines d'étudiants, des professeurs, fait disparaître toute une académie et menacé le multiverse de Yu-Gi-Oh! Vous comprenez pourquoi j'appelle ce mec connard, enculé, au fils de pute? Enfin, c'est le connard ou l'enculé, au fils de pute de service. Parce que lui, c'est purement de l'ego, purement égoïste. S'il y en a un qui doit finir en tôle ou s'il y en a un qui doit crever, c'est lui. Il est tout à droite, avec les cheveux rouges un peu délavés. Lui, il mérite de crever. Ou de souffrir éternellement et peut-être si on finit par en avoir marre de le buter. C'est un homme. Je l'ai haï mais à mort pendant l'animé. Je voulais sa mort. Parce que on prend Testanolixius. Lui, au moins, il avait une raison qui n'était pas égoïste. Il a perdu son fils, un enfant qu'il a recueilli hein, sur un champ de bataille. C'est un gamin qui avait perdu sa famille et tout. Il était dans une zone en guerre. Alors, me demandez pas si dans Yu-Gi-Oh! On fait la guerre avec des cartes et genre le magicien des ténèbres attaque des tanks avec sa magie, j'en sais rien. Ou si l'ultime cyberdragon est en train de raser toute une ville avec son souffle, enfin ses lasers, j'en sais rien. Peut-être que Godzilla existe là-dedans, je sais pas. En tout cas, c'est dans une ville en ruine. Il a trouvé un bébé, il l'a recueilli, il l'a élevé et tout. Un jour, cet enfant est mort. Et lui, un jour, pendant une de ses missions, il va finir par trouver. Enfin, rencontrer une entité qui lui promet de ramener son fils s'il fait ce qu'il dit. C'était pas égoïste. Oui, d'une certaine façon, il a voulu ramener son fils. Mais c'est en gros ramener une vie. Ramener quelqu'un à la vie. Quelqu'un qui ne méritait pas de mourir. Donc c'était beaucoup plus altruiste. On pouvait un peu. Enfin, ça reste un connard, mais moins que le fils de pute tout à droite. Voilà, Kim Cook, comme je l'ai dit. Et enfin. En tête du président de l'Académie, voici Jesse Anderson. Donc Anderson, il vient de l'Académie de mer, là où il n'y a que des clodos et un mec qui a une calvitie, là, une calvito, qui ont essayé de, qui avait recruté Chad, et qui, Chad plutôt, pendant un duel entre l'Académie du Nord et la Duel Academy. Regardez l'anime, il est cool quand même, le professeur Telon. Quoi? C'est pas Tessanoixus? Peut-être qu'en VO c'est ça, mais ça n'a pas de sens parce que l'autre il l'appelle Axel. Alors, aussi, accessoirement, j'ai pas compris pourquoi. A priori, il y a des parents qui laissent leur gosse se faire mettre un bracelet autour du poignet qu'on ne peut jamais retirer. Très sincèrement, personne n'a cru accepter ça. Genre, le mec, il se serait fait dégager, c'est mort. C'est fou que ce soit passé ce truc. Vous voulez mettre un bracelet au poignet de mon fils qu'il ne peut pas retirer, c'est ça? Et comment il fait s'il se douche? Vous inquiétez pas, c'est imperméable. Oui, mais s'il veut le retirer parce que ça lui fait mal. Ah, ça, par contre, on prend rien. Okay. Donc là, pareil, par exemple, si t'envoies des chocs électriques, là, on peut pas le retirer, je suis désolé. Comment ça a pu passer? Et puis en plus, les premiers qui ont fait un duel ont été épuisés à mort. Après avoir mis le bracelet, normalement, ça te titille un peu, hein. Ah, c'est à moi? Ça. Je suppose qu'il a son deck avec des serpents et tout, mais ça sent que j'ai mis dedans les serpents. C'est un deck militaire, je sais pas si il donne. Ah non, c'est Jesse, j'ai mis. Non, mais je peux dire pas que j'ai mis son attaque. Ça va t'envoyer directement les dégâts. Parce que théoriquement, il gagne 400 points d'attaque si vous voyez quand il attaque. Hein. Ce qui fait qu'il atteint les dégâts. Mais encore faut-il lui laisser le temps d'atteindre ce truc. Alors, on met un petit tag là par là. On va éviter la puissance d'attaque quand même. Oh, j'ai une préférence pour un monstre que j'ai détesté dans Attack Force 2 parce que Jaden je joue pas ça. Et il n'est pas censé avoir gagné un. Franchement, le relou. Ah, c'est tout ça, putain, c'est
Enfin, c'est de la merde. Non, tu peux remplacer un matériel de fusion. C'est vrai qu'il prenait les points d'attaque. Il y a un autre qui peut imiter les points d'attaque. Ah merde, le même mur en bois. Chier. Attends, non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il me donne? Alors ce truc est pas vraiment un vocal. Mais bon, c'est pas vraiment très important. Bon, que soit tu dégages. À ça de l'avoir! À ça, genre il reste 100 points de vie. C'est vraiment. C'est vraiment qu'il s'en sort bien. Attendez, maintenant dans ce jeu, on peut chacun avoir son terrain, ça n'est pas le terrain de l'autre, c'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est le terrain. Pas compris ça aussi. Vous êtes obligé de trouver des tablettes anciennes pour créer des cartes et tout? Vous habituez pas trop au bleu, hein. Il va le retirer pour retourner en jaune, mais il prendra le bleu plus tard. Comment tu peux le rester? Effectivement, c'est un signal en sa terre. Ouais, le duel final c'est contre Yugi en dessous contre toi. Parce que oui, techniquement parlant, la boucle est bouclée. Hein. C'est Yugi qui a été qui a été là au début, c'est Yugi qui est à la fin, c'est Jaden qui a rencontré. Jaden était face à Yugi et Jaden finira face à Yugi. Je déteste ce jeu de sommeil. En gros, je résume. Axel Brody, là, il a kidnappé Cyrus et il a attaché un fil, enfin, un câble, au bord d'une falaise sur un arbre. Enfin sur un arc qui est au bord d'une falaise. Et le truc qu'il y a, c'est que il a fait ça pour pouvoir attirer Jaden et le défier en duel. Moi je lui aurais envoyé juste un message, hein, parce que Jaden aime les duels, donc c'est pas compliqué. Même le kidnapping a l'air d'être plus efficace. Après je suis pas sûr qu'une personne le prenne bien, c'est de le kidnapper pour le défier en duel à mon avis. Attendez, qu'est-ce que c'est cette connexion? Je viens d'entrer comme t'es né en aptitude pour négocier, c'est donc assez que notre du coup. N'est-ce pas d'avoir un culturel que de faire un petit peu en Amérique sur le sol et un Africain? Les woke, c'est l'enfer. Le mal, c'est les woke. Le woke, c'est le mal. C'est le mal. C'est mieux comme vous voulez. Parce qu'en fait, c'est l'une des plus grosses hypocrisies d'histoire. Bien sûr que la société elle a été inclusive. Je vous rappelle quand même que dans Yu-Gi-Oh! GX, il y a un trave. Hein. Enfin, il y a en tout cas un hermaphrodite. Truc qu'on a rarement vu. Bah oui, Yubel, c'est à la fois un homme et une femme. Il a un nichon. Elle, oui. Enfin, bref, je me comprends. Cette carte a à la fois un nichon à droite et un pectoral à gauche. C'est.
Notre monde a toujours été vraiment, en fait, inclusive. C'est juste qu'il y a des jeunes maintenant qui genre te disent « Ouais, je plus d'inclusivité !» Mais vous avez vu Bad Boys, vous avez vu Ma Famille d'abord, vous avez vu Phénomène Raven, vous avez vu le Sleepy Hollow où justement il y a un seul héros blanc et sinon c'est que des noirs. On a toujours été d'une certaine façon inclusive, c'est juste qu'en fait on faisait pas de l'hypocrisie. Par exemple, donc qu'est-ce que je disais, dans Yu-Gi-Oh aussi Axel Brody, c'est un noir, il est dedans, on s'en bat les reins en fait. En fait le truc qu'il y a c'est qu'à l'époque on s'en battait un peu les reins. Essayer d'être soi-disant inclusif. On faisait un scénario et on réalisait le scénario. Et quota, on avait rien à faire. Blade, vous l'avez vu, c'est genre c'est l'un des super-héros les plus célèbres de Marvel et il est noir. Hein. C'est. Non, le tous ces trucs là. C'est toujours un peu déconné. C'est comme le truc Black Lives Matter, bien sûr que la vie des noirs compte, encore heureux qu'elle compte. Ça semble logique, oui. Oui, elle compte, l'important, ça compte, oui, bravo. C'est les mecs, ils ont découvert le show. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire, moi? J'allais dire un truc. Oui, il y a plein, il y a eu plein de trucs un peu comme ça. Hein. Et ça a toujours été comme ça, et en fait, juste... Qu'est-ce qu'on va manger vraiment? T'as oublié Force Miroir, on traîne un détruit Force Miroir. Il a détruit Force Miroir, c'est chiant. Moi je voulais qu'il y ait plus d'eau. Un assaut. Non! Parce qu'au moment c'est en mode défense et qu'il y a perte de points. Ta mère. Super défense, on perd aussi. Ah là, je savais pas qu'il pouvait sacrifier une comme ça, bon bah, je vais ramener l'autre pour le dire, je peux choisir. Ah non, je joue la passerelle de fusion et je fais fusionner Clayman et la meuf. Mais oui, vous croyez pas toutes ces conneries, les héros. L'étranger, il y en a eu, on a eu de tout, les drag queens. Vous avez vu Gurren Lagann? Il y a un mec, mais c'est une drag queen ou un transgenre en puissance. Et c'est hilarant, c'est super drôle. On adore. On adore. Et il y en a eu plein d'autres. Dans Ken le survivant, il y en avait aussi. Vous allez me dire que vous avez jamais capté dans Senseiya qu'il y avait quand même un truc relativement louche avec Sean, et il n'y a pas que Sean, hein. Il y a qu'à voir par exemple le sein du lézard là, Misty. Il y a toujours eu, c'est juste des cons, un jour ils se sont réveillés. Ils se sont dit, faudrait qu'on casse encore plus les couilles aux gens. Parce que ça s'est fait des films à quota, ça a pas marché. Hein. Et en plus, bon pour le reste, non c'est parti. Parce que là même j'aurais pas le. Donc, ça pour une fois que je joue la pierre. Oui, c'est du foutage de gueule parce que je suis désolé, mais moi, les séries et tout que je regardais quand j'étais jeune. Même que je regarde à nouveau maintenant, c'était des séries en fait où il y avait bien sûr des noirs, des musiques de tout. Ma Famille d'abord, ça fait partie de mes trucs favoris. Kaamelott aussi, j'adore. Et d'un côté, t'as que des noirs, de l'autre côté, t'as que des blancs. Et je ne suis jamais offusqué que dans l'un, il n'y a que des noirs et pas de blancs. Et dans l'autre, que des blancs et pas de noirs.
Ça va changer le cours de ma vie, vous avez cru? C'est des conneries. Au moins dans chaque force, il y avait la réaction des persos quand on détruisait leur compte. Là, il n'y a rien. Il n'y a aucune défense, j'en ai pas de ce que je fais. En espérant toucher des monstres après, parce que sinon, là, il me fait une fusion miracle. Hein. Enfin, une fois miracle. Ça veut dire. Ça fait pas grand chose. Mais là, franchement, c'est pareil, je ne peux pas. Je n'ai pas les cartes nécessaires en fait. À moins que je chope une passerelle de fusion à la limite. J'en ai une. J'ai pas fait derrière. C'est vrai d'avoir un deck un peu long. Alors, pour moi, il n'est pas excessivement long, mais pareil. La prochaine fois, c'est mon dernier tour de protection. Et ben, c'est parfait. Ben, ok. Plasma. C'est une fusion justement en plus que. Ah non, Diane est utilisé contre tes ennemis. Pas contre ses brodies. Mais ça fera son taf. Tam. Ah. Ah putain, ce mec me casse les couilles. Oh là là. Là, tu vas tenter l'attaque parce qu'il a plus de temps. Ah, niqué. Ah, c'est pas de chance, par contre, là. Attends. Si j'attaque cette merde, je vais perdre de... Voilà, ça c'est bon. Donc, si j'attaque cette saloperie, faut que je sois sûr derrière d'avoir un autre monstre. Pour l'instant, c'est moi qui ai plus de points, ça va pas être dans les couilles. C'est ce que je disais. Ah là là, putain! La fusion miracle, je pense, genre ça va juste rattraper un peu la perte que j'ai eue. Mange tes morts quoi. Ah ça a même pas, ça lui a même pas fait perdre sa vie. Des points de vie. Il change, je déteste sur telle force, c'est un truc que je déteste plus. Parce que son jeu c'est un enchaînement de cartes en fait. Moi, j'en aime. Ah célébrer, on dirait le professeur qui a été célébré. Enfin ça m'a... Il a beaucoup de cartes pièges aussi qui t'emmerdent. En fait, Vincent ça colle bien au personnage, c'est une sorte de militaire d'agent, enfin militaire sur le terrain et tout. Ça colle bien au personnage de l'argent. Putain c'est bon. Alors lui il a des combinaisons qui s'enchaînent très vite, voilà c'est ça. Et ensuite il va mettre d'autres et celui qui peut tirer par 3. Ça va très vite, attention hein les jeux. Vous risquez d'être surpris. 1800, okay. Allez viens là. On va retrouver. Blaze Man, merci. Je récupère la colonisation. À me servir tout de suite. Foiré, il vise des points de vie très vite. Pour invoquer.
Et le voilà, maître Nova. Ah putain, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est un enfer ce mec. Non, qui m'attaque, qui m'attaque. On va perdre. On va le mettre. Il assurera la défense. Alors je sais pas pourquoi il l'appelle loueux, moi je suis pas très fan, mais en tout cas j'adore ce mec. C'est une défense meilleure que Kreman. Parce que déjà, il y a plus de points d'attaque que Kreman. Ah merde! De la journée, mais je vais trouver. Donc, je trouve comment passer la défense. Comment je passe cette défense? L'idéal, ça serait. Je vais partir rapidement toutes ces cartes. C'est un souci. Oh putain, je vais manger des morts. Ça, le pire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas encore? Il y a deux gens. La femme soit tranquille. Donc, ah ouais, d'emblée, genre même pas on dit bonjour, rien. Ok, ça commence bien. Bon, polymérisation, c'est déjà un truc balèze moi aussi si je vois ça ressortir. Alors, c'est bien un petit agence. Uniquement invocation, ça commence bien. Oui, il faut ça. Je peux pas avec ça. C'est pas grave. Ça va diviser par deux. Je me débarrasse sur le meilleur monstre d'emblée. Ça va. Okay. Allez. Grande tornade des héros éléments. Moi j'aime bien quand c'est des héros des éléments. Alors si tu me permets, je vais diviser par deux l'attaque de ton monstre et après je vais l'envoyer. Des fois les intrigues sortent mais là ça va. Activer une carte. Ah oui. Non je préfère pas. On va faire regarder les suspens qui disent une carte cachée, c'est bon. Vas-y. Voilà. Mais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, viens à moi, toi. Parfait. Oui, là, j'active. Parfait. Bon.
Ah, je t'aime pas. Parfait. Malheureusement, j'ai besoin de sacrifier, mais c'est pas tout. Particulier. Jaden le faisait déjà, hein, bien sacrifier, enfin fusionner un monstre fusion avec un équipe. Là, ça va être différent. Du coup, vu que je vais me débarrasser de lui, j'aurais dû utiliser Astor Volant là. Pas de ça fait se cacher et simuler un placement de carte possible de fait. Ah, moi je commence à rattraper le retard. Si j'avais utilisé le H-Cœur brûlant, putain. Tu avais fait quel cas? Non, à part si j'ai besoin d'un monstre d'une certaine façon. Là par contre, tu peux activer le H-Cœur brûlant. Là oui, là c'est ce que je fais. Non! Voilà, ça, oui, là. H-Cœur bleu. Je crois que c'est bien qu'Axel n'a pas de montre avec une défense balèze. Je veux pas de chaîne, je m'en fous des chaînes. Putain, c'est pas le moment de passer au BDSM. Allez! Non! Non! Bon. Si j'ai une polymérisation. Ah oui, il a plus rien à jouer là. Il est niqué. Sûr de vraiment activer une carte. En lui transférant les 2500 points, il obtient normalement. Je crois que c'est. Il a quoi? Il a 2600, comme ça, il est dans les 5100. Ah ouais. Ensuite, on l'a vendu. Ce qui est pratique avec lui, c'est qu'il peut imiter n'importe quel nom. Mais ça, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais lui faire profiter de 1700 dégâts. Donc 2000 de dégâts. Un arfou si je prends 1700 aussi. Ce qui compte, c'est que ton pote va prendre plus de 2000. Si tu as utilisé ta force, ça veut dire que tu as là. Quand tu provoques, quand tu as assigné plus de 10 000 points de dégâts à ton ennemi, bah, tu gagnes un bon point. Le primitif, donc. Hein. On a combien? 39% dans son dernier. Alors en gros, c'est une battle en fait. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils trouvent que c'est un peu louche. Il y a ces histoires de bracelets qui, depuis qu'on les porte, on est épuisé, on est fatigué, etc. Et du coup, ils décident d'aller enquêter. Il y a une zone qui émet une énergie négative étrange. L'équipe de Jaden, accompagnée de Jim, cette fois-ci, parce que Jaden, c'est Cyrus, Cricket. Et à peu près tout. Jim décide de se joindre à eux parce qu'il trouve que son crocodile Shirley est aussi sensible à ses énergies. Mais Jim aussi, parce qu'il a, attention les yeux, ça c'est le moment what the fuck. Il y en a au minimum un par saison. Hein. Dans la saison 1, c'était avec les jeunes filles amoureuses. J'ai un peu le délire. Sparkman et Avien qui tombent amoureux, etc. Qui pensent déjà au mariage. Et bah, l'autre truc what the fuck, le truc what the fuck de la saison 2, c'est qu'à un moment donné, t'as Neos Luminescent ou un truc du genre qui finit par apparaître, c'est l'esprit d'un Neos Fusion, hein, qui va voir Jim et qui lui dit de faire appel à son esprit de Tyrannosaure. Donc il y a l'esprit de Jim, de Cricket plutôt, qui se matérialise sous la forme d'un gigantesque T-Rex avec un bandana. Ils vont tous les deux dans l'espace pour aller détruire le satellite que Sartorius a obtenu, en trichant d'une certaine manière, afin de pouvoir conquérir le monde. Attention, on n'est plus dans les années 80, ce genre de scénario. C'était un truc un peu what the fuck. Je suis sûr que même les mecs, ils se sont marrés, ils se sont dit, faut combler le vide des minutes, là, on n'a plus rien. Mettez un T-Rex qui combat un satellite, accompagné d'un alien. Vous êtes sûr, monsieur? Non, mais on s'en fout, c'est pas grave, allez. Ah oui, bien sûr, il y a aussi Jessica. Je vous jure, c'était tellement hilarant.
Vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Bon, bah, c'est une idée. Pas de problème, je ne mange pas trop. Oh, lui, mais du jeu. Alors, ça ne me dérange pas quand j'ai des monstres. C'est-à-dire que quand je n'ai pas de monstres, là, de malade. Dans cette case, je n'ai pas de monstres. En plus, j'ai joué en deuxième. Que j'ai. Entamer l'attraction, il a des cartes, on a des blocs de pierre, je crois qu'il doit fusionner pour que les blocs. Ah non, il a le bébé. Le bébé Serazori. Non, garde. Ah! Lui il a vu un boost d'attaque. Merde! J'ai dû détruire le monde du racisme. C'est vrai, c'est vraiment. C'est vrai. Alors, ta gueule! J'active la jarre de cupidité, ça se fait, j'active. Mon nouveau Nos. On peut faire une fusion? What? Ah écoutez, allez-y hein. Ça marche, vas-y. J'aurais dû utiliser le la passerelle de fusion, j'aurais dû utiliser une carte, j'aurais pu utiliser avec le maillet magique. Tu vas prendre cher mon dégueu. Oui du coup la passerelle de fusion remplace le bizarre. Ah non ça remplace pas, ça fait les deux, c'est vrai, bizarre c'est classe. D'un côté il y a un volcan qui est en train d'éruption et de l'autre il y a le vide intersidéral, je sais pas. À quoi ça servait, à quoi ça? Chelou lui. Oui, il a activé. Ça ne me sert à rien de venir là-dessus en tant que tel. Par contre, je peux secouer un peu les cartes, en envoyer dans le deck, mélanger et pêcher à nouveau pour le deck. Elle, par contre, mettre une série. Et normalement, les cartes qui sont à droite, du coup tout à droite, peuvent servir avec l'autre espèce de polymérisation. Donc, en théorie, tu dégages. Envers une attaque, donc oui, un vote trop puissant, mais j'y crois pas trop. Oh, passage de fusion. Allez, on va faire venir. On va venir lequel? On va faire venir L2. Alors, normalement, le problème qu'il y a là, c'est que je n'ai pas beaucoup de monstres. Il n'y a pas un portrait de fou en termes d'attaque, mais c'est un bas, c'est quand même un bon. Il peut avoir 2900. Ah non, 2700, c'est pas un. Donc, si normalement j'attaque avec lui, ce machin n'a pas d'attaque. Ok, d'accord, pas mal le coup. Pas mal.
2500 moins de voyage prochain tour. Il n'y a pas grand chose. Ouais, voilà, voilà, c'est quoi ça s'appelle là? Alors je ne sais pas pourquoi. C'est très simple, je ne sais pas. Donc il perd 10 000 piles de points de vie. Sur la piste. Donc il suffit de battre le game. Je connais la tête dans les images. Ah non, c'est pas à ce moment-là que ça pénétrait. Alors ce duel, ils l'ont mis, c'est chelou. Est-ce qu'ils ont mis le duel contre... Bah non, ils ont zappé. Parce que normalement, il y avait le duel contre les deux, là, au sommet de la tour, là, avec Cricket et Cyrus. Bah oui, ils l'auraient pas mis parce que c'est des battles en duo, donc ils ne mettent pas ça. Jesse, ça c'est le dépressif. Ah oui, ils ont pas mis les skins qu'il faut, ça c'est sûrement. Donc on va s'arrêter là, c'est très bien, ça fait une heure, c'est parfait. Passez une bonne soirée, bye tout le monde.